Mardi 3 décembre 2024, composition 2 étoiles, compo sinon rien. Ah ben enfin, et double enfin. Enfin j'ai recomposé et enfin j'ai réussi à jouer mon morceau sans faute, même si à la fin il y a une petite note qu'on n'entend pas assez là, un petit mi-mi-mi. Mais bon, non c'est rien. Je suis content. Alors je vais mettre 9. Et puis voilà, le titre n'a pas d'émotion spécialement, à part que ben. J'avais envie de refaire une composition déjà depuis plusieurs jours, mais j'avais pas l'énergie. Et là, ben, ça veut dire il y a l'énergie dans cette composition. Alors, elle est tristounette, mais en même temps, elle est un petit peu entraînante, je pense, comme une petite balade nostalgique, mais pas triste. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un morceau qui est très cadré. Mais qui reste pas complètement enfermé dans son cadre. Il y a des notes de main droite là, de la mélodie, qui des moments sortent un petit peu justement, et puis qui permettent de pas avoir cette sensation d'être enfermé. Là, ça s'échappe un petit peu du cadre de l'accompagnement qui est très très valse. Et puis à un moment, on n'a plus peur de faire des dissonances et ça prend son envol quoi un petit peu. Et puis ça revient dans le cadre. Et puis ça ressort, et puis la fin, j'aime bien. Ce qui est original, c'est que on sent que c'est assez serré comme morceau, mais ça s'ouvre, et puis à la fin, ça se referme. Ça se referme petit à petit sur la mélodie. C'est-à-dire qu'on a la mélodie, bon hop, on commence à la connaître, mais on la reprend, mais pas en entier, juste un petit bout.
Et puis après, on répète les trois dernières notes. Et puis ça finit en rouvrant vers une note aiguë pour finir quand même sur une ouverture. Et puis hop, on retrouve le La mineur de la fin. Moi, je trouve techniquement, enfin, je l'ai pas composé exactement comme d'habitude, donc ça, bah, j'aime bien quand il y a des petites originalités comme ça. Même si l'originalité elle est pas vraiment dans le rythme, un petit peu, parce que des moments il y a des trucs, je sais pas comment je les écrirais. C'est pas non plus complètement ta 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 2, 3. Non, il y a des moments c'est 1, 2, 1, puis ça traîne, et puis on a 3 notes au lieu de 2, enfin on a 2 notes au lieu de 3. Il y a un truc qui est dommage, c'est vrai, c'est ces dernières petites notes là, le ta-ta-ta-ta, on les entend pas bien, elles sont pas bien claires, il y en a une, je sais pas, ben j'ai appuyé mais pas assez fort, un truc comme ça. Et puis c'est vraiment sur les trois dernières notes, alors c'est un peu dommage. Mais comme dans l'ensemble, je trouve que le morceau est vraiment bien réussi, et puis que j'étais content d'arriver à bien le jouer, et surtout de refaire une composition, ben je vais garder 9. Tu dis que dans ton titre, il n'y a pas d'émotion. Alors, c'est vrai que de prime abord, on pourrait penser que c'est assez froid. Mais moi, ce que j'entends, c'est un cri. Je veux recomposer. Je ne veux plus me cacher derrière une impro parce que je n'ai plus d'inspiration. Et avec beaucoup de détermination et de volonté, tu as réussi à recomposer. Une mélodie qui, si on l'écoute d'une oreille, paraît douce et entraînante à la fois, mais moi ce que j'entends surtout c'est l'urgence, ce besoin vital de recomposer. Alors je pourrais me contenter de mettre un 10 parce que tu as rempli le contrat, mais je vais mettre 11 parce que ton morceau est d'une grande justesse.